Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous parler du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, donc le PLIB 2018. Alors nous organisons un événement pour la remise du prix qui se déroulerait le 13 octobre dans l'après-midi sur Lyon dans une salle que nous avons réservée à côté de la Part-Dieu. Le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App est un prix que nous organisons à 4, nous sommes 4 bénévoles, donc il y a moi, il y a Pauline de la chaîne Patatras, il y a également Céline et Yannick de l'application Booktubers App. Nous avons mis en place ce prix en octobre 2017. À la base, nous étions 6 organisateurs. Il y avait également Bérangère et Maxime, mais qui ont décidé de quitter l'aventure pour raisons personnelles. Et aujourd'hui, nous sommes plus que 4 et nous désirons vraiment porter ce prix jusqu'au bout et le renouveler d'année en année. Pour terminer cette première année qui a été vraiment une belle réussite à de nombreux niveaux, nous souhaitons donc mettre en place une remise du prix, c'est-à-dire que nous souhaitons inviter des auteurs finalistes ainsi que des auteurs qui étaient dans la présélection. Pour vous réexpliquer grosso modo, à la base, qu'est-ce que ce prix ? C'est un prix qui est réservé aux blogueurs et aux booktubeurs. Nous sommes à peu près 60 membres du jury. Et c'est chacun d'entre nous qui allons porter le roman finaliste. Nous avions à la base fait une présélection où il y avait plus de 80 romans présélectionnés pour arriver à une phase de lecture avec 7 romans finalistes. Donc nous sommes actuellement, alors je tourne cette vidéo, en phase de lecture des 7 romans et nous allons voter pour le meilleur roman de l'année 2017. Le 30 septembre. L'idée de cet événement, c'est tout simplement de à la fois remercier les membres du jury, les partenaires et toutes les personnes qui nous ont aidés à porter ce prix en mettant en place cet événement sur Lyon et en invitant, comme je vous disais, des auteurs. Donc pour l'instant, les auteurs qui nous ont confirmé leur présence, il y aura Estelle Faye, Alison Germain, Rod Marty, Vincent Tassi et Jean Vigne, et nous attendons quelques confirmations d'autres auteurs plutôt sympathiques à recevoir, tels que Gabriel Katz, Agnès Marot, Roberto Sanquet et Ariel Holz. Pour ce faire, comme je vous disais, nous sommes bénévoles, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir les financements, donc nous mettons en place ce projet Ulule, puisque cet événement représente un coût que clairement nous n'avons pas, et donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous tournons vers vous pour vous demander votre aide. Je vais vous raconter un petit peu en fait comment ça va se préciser, c'est-à-dire que le projet Ulule va être réparti en de nombreuses contreparties. Il y aura des contreparties fixes et illimitées telles que des goodies, etc. Et ensuite nous avons eu la chance d'avoir des partenaires qui se sont joints à nous pour mettre en place le projet Ulule. Et donc on aura des contreparties, on va dire, limitées par rapport au stock et à ce que les partenaires ont pu nous proposer. J'en profite donc dans cette vidéo déjà pour remercier Tornada, Lynx, Bookin, Plume Blanche Édition et Marathon Édition. Au niveau du budget, quelques mots. En gros, pour ne rien vous cacher, il nous faut un budget de 7 700 € pour mettre en place cet événement. C'est assez énorme, on était nous-mêmes très étonnés, mais en fait tout cela s'explique tout simplement. Donc je vais vous mettre le petit camembert ici et vous développer au fur et à mesure. Donc comme vous le voyez, il y a 49% du budget qui sera destiné aux auteurs pour la prise en charge de leur déplacement, de leur hôtel, des repas et surtout leur temps de présence, puisque nous sommes respectueux tout simplement de la charte des auteurs et que nous payons donc l'auteur pour son temps de présence. A savoir qu'il n'y aura pas de dédicace puisque la salle que nous avons réservée n'est pas dédiée pour, mais ce sera vraiment un moment de rencontre, un moment convivial et un moment d'échange. Ensuite, vous voyez qu'il y a 22% et 8% qui représentent Ulule, donc on est à 30%. En fait, c'est leur commission plus le coût des contreparties qu'on vous met en place. Et ensuite, il y a 21% qui représentent le prix de l'événement, en fait, à savoir la réservation de la salle, la préparation du buffet que nous allons organiser pour l'après-midi et la remise du trophée, puisqu'on veut faire un trophée plutôt sympathique pour l'auteur qui aura gagné le prix 2018. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller donc sur le site Ulule ou regarder si vous êtes déjà sur la page toutes les contreparties qu'on vous propose. Le projet sera ouvert jusqu'au 30 septembre 2018. J'espère que vous serez nombreux à nous aider à réaliser cet événement parce que ça nous tient vraiment à cœur et on aimerait vraiment pouvoir mettre en place cela parce que c'est juste génial. On est là pour partager l'amour de la littérature, de l'imaginaire, promouvoir les auteurs, également promouvoir les petites maisons, les moyennes maisons ou les grandes maisons d'édition de l'imaginaire. Donc du coup, on compte sur vous. Merci beaucoup et à bientôt.